Je me suis retrouvé à juger d'abord les pères, puis les enfants, tous portant les mêmes noms de famille, tous appartenant à la famille historique de l'Andrangheta. La base familiale constitue la force depuis des années de la 'Ndrangheta. Pour ces enfants, aller en prison, c'est une bonne chose. C'est une chose qui donne le diplôme, qui te permet de monter en grade. Moi, j'ai toujours peur. Je me lève grâce à Dieu, je suis vivante, mais j'ai toujours peur. Reggio di Calabre, séparé de la Sicile par le détroit de Messine à l'extrême sud de l'Italie, capitale de la Calabre, fief de la 'Ndrangheta, la mafia la plus puissante du monde. Une mafia qui s'est construite sur des liens familiaux et obéit à des règles strictes. Chaque fils doit marcher dans les pas du père, trafiquer de la drogue, aller en prison, tuer ou se faire tuer, une mécanique sans fin. Un détroit aux airs de bout du monde et une ville ensoleillée, pleine d'histoires sombres. Entre ces immeubles art nouveau qui surplombent le lungomare, le profil de la Sicile qui se reflète sur le détroit, la 'Ndrangheta, la mafia la plus puissante du monde, est invisible et omniprésente. Ici, des commerçants sont protégés par l'armée pour avoir refusé de payer le pizzo. Des élus sont assassinés. Des chefs de clan orchestrent le trafic international de cocaïne. Une mafia qui fait de chaque enfant l'héritier d'un clan criminel. Un juge a tenté de rompre cet héritage. Il vit aujourd'hui sous protection policière. Il a mis en place un protocole pour éloigner les enfants des boss mafieux. En 25 ans, je me suis retrouvé à juger d'abord des pères et ensuite des fils. Tous avec le même nom, tous appartenant à la famille historique de la 'Ndrangheta de la province de Reggio Calabria. Alors la 'Ndrangheta maintient et installe son pouvoir sur le territoire à travers l'endoctrinement criminel des enfants et des adolescents. Et cela fait la force de la 'Ndrangheta, qui est une organisation criminelle fondée sur les bases de la famille. Et les composantes de la famille criminelle sont les mêmes que celles de la famille biologique. Née dans les montagnes de l'Aspromonte, la 'Ndrangheta devient célèbre avec l'enlèvement de John Paul Getty, petit-fils du mania du pétrole Paul Getty, en 1973. Cela fait plus d'un mois maintenant que Paul Getty, le petit-fils de l'homme le plus riche du monde, a disparu. Et c'est ici, Piazza Navone, qu'on l'a vu pour la dernière fois avec une jeune femme belge, Danielle Devret, qui est peut-être le témoin numéro un de cette affaire. La mafia calabraise prend son essor dans les années 90, après l'arrestation de Totorina et l'affaiblissement de Cosa Nostra. Avec ses émissaires en Colombie, elle devient le premier importateur de cocaïne et contrôle 80% du trafic en Europe. Le corps du business de la 'Ndrangheta est le trafic international de stupéfiants. Depuis toujours, les noms les plus importants du narcotrafic sont calabrais. Roberto Manunzi, qui était en Colombie, Morabito Rocco, qui a dû fuir au Brésil après être resté plusieurs années en Uruguay et qui s'est installé dans plusieurs États d'Amérique du Sud.
La Drangheta a infiltré le monde entier, mais c'est ici, en Calabre, en face de l'Etna et de la Sicile, qu'elle prend sa source. Pour maintenir son emprise sur le territoire, les 'Ndrine, les clans mafieux, pratiquent le racket sur les entrepreneurs. Ce commerçant a échappé miraculeusement au bal des tueurs de la Drangheta pour avoir refusé de payer le pizzo. Son magasin a longtemps été protégé par l'armée. La première fois, un mafieux de la Drangheta est venu me demander de l'argent. Sinon, je ne pouvais plus continuer à ouvrir mon commerce. J'ai refusé de payer le pizzo. Alors il y a eu une série d'événements douloureux, menaces, incendies, bombes. Furti, incendi, bombe. Jusqu'à ce jour de février 2011, où on a tenté de le tuer. Le 9 février 2011, je me suis levé le matin pour aller à la campagne, où je devais travailler. Et quand je suis arrivé sur place, devant le portail, ils sont sortis d'un fourgon. Et j'ai senti qu'on me tirait dans l'épaule. Alors je me suis jeté par terre pour me protéger et je me suis réfugié derrière le fourgon. Roberta est la propriétaire du café Malavanda, une adresse très prisée à Reggio. En 2008, un de ses établissements a été totalement détruit par une explosion. La famille avait refusé une proposition de modernisation du restaurant à une entreprise de travaux, le café a sauté. Quando lei fece questi lavori di ristrutturazione, non li fece fare. Quand nous avons fait les travaux, on n'a pas choisi le bon entrepreneur. E quindi a questa persona non è andata bene. Et ça n'a pas plu à cette personne. Il a mis une bombe et heureusement, ça n'a détruit que le café. È saltato soltanto il locale. L'enquête montrera que l'un des responsables est un parrain du quartier. Il sera tué par la suite. Aujourd'hui en poste à Catane, Roberto Di Bella a présidé pendant 25 ans le tribunal des mineurs de Reggio Calabre. Il a vu défiler des dizaines d'adolescents jugés pour braquage ou meurtre, ou morts sur des scènes de crime horribles. In più occasioni abbiamo giudicato con orrore. Souvent, je me suis retrouvé à juger avec horreur des adolescents impliqués dans des meurtres ou des tentatives de meurtre de leur mère. Qu'avaient fait ces femmes? Elles avaient eu des relations extra-conjugales quand leur mari était incarcéré ou en cavale. Selon le code mafieux, le déshonneur doit être lavé à l'intérieur de sa propre famille et les fils sont obligés de tuer leur mère. C'est ce type d'horreur que nous avions à juger. Bonjour. 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 Le magistrat se rend ce jour-là au lycée de Messine. Une rencontre organisée et voulue par le ministère de l'Éducation. Le juge raconte aux élèves l'histoire d'une jeune fille de son cousin tuée par la Drangheta. Annunziata était amoureuse du fils d'un boss local, déjà fiancé à l'héritière d'un autre chef mafieux. Ils ont attiré les deux jeunes à la périphérie de Rosarno. Ils les ont criblés de balles.
Ils se sont rapprochés pour vérifier s'ils avaient bien fait le travail et ils se sont rendus compte que la fille bougeait encore la tête. Ils se sont approchés pour donner le coup de grâce, mais ils n'avaient plus de balles. Dans le coffre de leur voiture, ils avaient un croc de boucher qui sert à pendre la viande. Ils l'ont tenu et tué avec ça. Une chose horrible. Roberto Di Bella est le héros d'un film de la RAI projeté ce jour-là dans la salle de classe. Alors, ce projet libre de choisir pourrait vraiment donner une chance à des enfants qui ne sont pas entendus par leurs propres parents. Dans ce cas, faire des études peut aider les jeunes qui sont dans des familles mafieuses. Annunziata, tuée dans un coffre de voiture. Ou encore Coco, 3 ans, abattu parce qu'il circulait en voiture avec son grand-père, un baron du trafic de drogue. Le juge veut permettre à ses enfants d'échapper à la dranguette, leur offrir la chance qu'ils n'ont pas eue. Il veut qu'ils soient libres de choisir, liberi di scegliere, le titre du livre qu'il a écrit. Il décide d'appliquer une procédure radicale, ordonner la déchéance parentale ou l'éloignement. Dans notre protocole, nous faisons toujours référence à la Convention internationale de New York de 1989 qui prévoit que l'éducation est un objectif important pour qu'un enfant trouve sa place dans la société et développe le sens des responsabilités morales et sociales. L'éducation mafieuse dranguettiste, clairement, ne fait pas ça. L'éducation est synonyme de grande souffrance pour les enfants car cela les expose à la prison, à la mort et aussi à de la souffrance. Alors dans ces cas-là, si un père aide son fils à devenir un criminel, ce n'est pas un bon parent. Et le tribunal des mineurs a l'obligation d'intervenir. Nous avons rencontré beaucoup de résistance, des enfants, de leur famille, mais aussi de la part de l'opinion publique, notamment des journalistes qui nous ont accusés de confisquer les enfants, de déporter des mineurs. Ils ont comparé la jurisprudence du tribunal des mineurs à celui d'un État totalitaire, comme le nazisme ou le stalinisme. Ça a été une période difficile, mais nous avons tenu le cap en ne pensant qu'à l'intérêt des enfants. Pour mettre en place cette opération d'exfiltration, le juge s'appuie sur un réseau de psychologues et de bénévoles. Cet éducateur s'est occupé pendant des années d'enfants transférés à Messine et en Sicile, à 20 minutes de ferry de l'autre côté de la rive. Ce sont des enfants très fiers. Orgueilleux de leur histoire. Ils viennent d'un monde qui fonctionne différemment. Pour ces enfants, aller en prison, c'est une bonne chose. C'est une chose qui donne le diplôme, qui te permet de monter en grade. Surtout parce que mes oncles, mon grand-père, mon père, mes frères sont tous allés en prison. Du coup, ils sont fiers car chez eux, ils sont une sorte de VIP. Des personnes très importantes, des princes. Ici, il n'y a rien ni personne qui te renvoie à ces valeurs. Ce foyer a accueilli de nombreux enfants de la 'Ndrangheta. Au cours de parties de foot ou de repas, face à des adolescents parfois colériques, il faut rétablir la confiance. Si può. Buonasera. Ciao Giovanni. Vai con la temperatura. Allora, tu sei
essayer de créer de nouveaux rapports humains. Il s'agit surtout de resserrer les liens humains, de créer de nouvelles relations. Alors les enfants se mélangent avec d'autres. Je connaissais un jeune qui avait trouvé une petite copine dans la nouvelle ville où il se trouvait. Ça lui a permis de se stabiliser. Sono stati ha sicuramente dato un grande aiuto nella stabilità del pensare a qualcosa di diverso. Quitter le clan n'est jamais facile. Le réseau Libera, engagé contre le crime organisé, né après les assassinats des juges Falcone et Borsellino, s'occupe de chercher des familles d'accueil. Ce bénévole a reçu chez lui un enfant de 5 ans dont le père avait été tué. Cet enfant est parti au nord, il a eu toute une histoire. Puis il a fini en prison pendant plusieurs années pour meurtre, on m'a dit. Cette histoire confirme qu'avant tout, leur clan, leur héritage ne les lâche pas. Ils continuent à faire pression. Ils les gardent sous contrôle. Cette histoire, c'est aussi celle de Rocco Molle, héritier d'un des plus puissants clans de la 'Ndrangheta. Rocco est le fils de Girolamo Molle, un baron de la mafia calabraise qui purge actuellement plusieurs peines de prison pour trafic d'armes, cocaïne et meurtre. Les Molle règnent depuis plusieurs années sur le port de Gioia Tauro, au nord de Reggio Calabre, le plus grand terminal de la mer Méditerranée, épicentre de bien des trafics. À 16 ans, le jeune Rocco est impliqué dans des trafics d'armes et de drogue. Condamné par le tribunal des mineurs de Reggio, il demande à intégrer le programme Libre de choisir. L'adolescent est éloigné de sa famille. Il quitte la Calabre pour s'installer dans une communauté de l'association Antimafia Libera à Turin. Mais son destin le rattrape. Sono i piromalli mandanti dell'omicidio di Rocco Molle. È l'interrogativo che si ripropone ogni qualvolta un'inchiesta giudiziaria va a colpire la potentissima famiglia di 'Ndrangheta della piana di Gioia Tauro. Quella fra Molle e Piromalli è un'alleanza lunghissima, 100 anni di storia spazzati via da frizioni troppo forti per essere soffocate. Le jeune Rocco apprend la mort de son oncle, qui porte le même prénom que lui. Il a été abattu par le clan rival. Le garçon abandonne sa nouvelle vie à Turin. C'est la fin d'une parenthèse de 6 ans, loin des armes et des trafics. À 22 ans, il retourne dans sa famille pour prendre les commandes du clan. Rocco Molle a eu un contact avec le père. Rocco Molle a eu un contact avec son père. Et évidemment, après cet échange, il a subi son influence négative et il a décidé de reprendre le chemin qu'il avait quitté. Si Rocco Molle est un exemple négatif, il y en a tant d'autres positifs. Et il y en aura encore d'autres. Ce ne sono stati tanti altri positivi e sono sicuro che ce ne saranno altri ancora. En novembre dernier, Rocco Molle est arrêté lors d'un vaste coup de filet anti-drogue mené par le parquet anti-mafia de Reggio Calabre, Milan et Florence. Ce garçon est retourné dans son clan d'origine pour les résultats qu'on a vus. Il a été arrêté l'année dernière avec 530 kilos de cocaïne.
Il a été de nouveau arrêté au sein d'une enquête beaucoup plus importante qui visait un trafic international. Ce fils de boss mafieux est actuellement en prison à Bari, comme dans l'impossibilité de se détacher de son monde. In quelle famiglie, ragazzi, hanno spesso visto uccidere il loro padre. Dans ces familles, les jeunes ont vu leur père, leurs frères, leurs oncles, leurs grands-parents se faire tuer dans des règlements de compte entre clans. Alors, selon les règles dranghettistes, on doit se venger. Et ainsi, ces enfants sont habitués à la réplique. Et c'est une spirale perverse qui ne finit jamais. C'est une situation très délicate. C'est une situation très délicate. Les associations estiment à moins de 5% le taux de rechute des enfants pris en charge. Au tribunal des mineurs de Reggio Calabre, un magistrat poursuit la mission du juge Di Bella. Les mères viennent d'elles-mêmes demander de l'aide. De nombreuses femmes se présentent au tribunal pour demander de l'aide afin de permettre à leur fils de saisir une alternative de vie différente de ce qu'ils connaissent. Nous allons dans le meilleur restaurant de Reggio. Pour cette femme en noir, ce jour est peut-être le début d'une nouvelle vie. Elle fête l'embauche de son fils comme commis de cuisine. Ok, viens-moi, cavale. Penso che saremo ora. Il y a quelques semaines, Giovanna a demandé à la justice d'éloigner Carlo. Les prénoms ont été changés de son père, plusieurs fois incarcéré, et de son village. Son fils risquait d'être recruté par la 'ndrangheta. Io pure amo i bicchieri di vetro. Ma io facevo la scema. La buona strada è secondo me che ognuno di noi si prenda. Le bon chemin selon moi, c'est que chacun de nous suive sa propre route, ne suive pas l'exemple des parents. Cioè io devo sbagliare con la mia testa. Si un parent se trompe, les fils ne doivent pas faire comme eux. Les parents ne peuvent souhaiter que le bien de leurs enfants. A volerli bene. Certo, perché se un padre. Cette femme voudrait aujourd'hui surmonter sa peur. Le passé, je cherche à l'oublier, même si ce n'est pas facile. Les cicatrices restent comme un tatouage, ça c'est sûr. Je suis heureuse aujourd'hui, mais j'ai beaucoup souffert. Vous avez peur maintenant ? Oui, j'ai toujours peur. J'avance, je suis en vie, mais j'ai toujours peur. Si Carlo a été embauché dans ce restaurant, ce n'est pas un hasard. Le patron chef de renom est connu pour s'être dressé contre la mafia. Les antécédents de son nouvel employé ne l'effraient pas. Il parle peu de la vie d'avant, parce qu'il n'a pas encore gagné assez de confiance en lui. Il a eu une expérience négative dans sa jeunesse, mais il a choisi de repartir à zéro. Il veut avoir une vie différente de la précédente. Il veut suivre un parcours professionnel, car il aime la cuisine. Perché è innamorato della cucina. Allora diamo il benvenuto a questo ragazzo qui. Cette démarche semble extrêmement douloureuse pour le jeune Carlo. Il ne veut pas parler aux journalistes. S'il est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'aide d'une association antimafia. Grazie. C'est une belle opportunité pour lui, pour changer de vie, pour s'engager sur un autre chemin. C'est pour nous une grande joie d'offrir cette possibilité de trouver cet emploi et garantir un meilleur futur à tant d'enfants. Carlo, parviendra-t-il à quitter l'emprise de la 'ndrangheta ? Oublier la vie de voyou, apprendre à se lever le matin pour aller travailler ? La réponse reste incertaine, mais de nombreuses familles veulent tenter leur chance.
10 ans après les débuts de l'expérience calabraise, de nombreux tribunaux pour mineurs d'Italie veulent copier cette procédure. Une loi actuellement en stand-by au Parlement devrait renforcer le protocole régional du juge Di Bella. J'espère qu'il y aura une loi nationale. Pour le moment, elle n'est que régionale. Cela permettra d'avoir une continuité juridique, sociale et économique. Le projet deviendra plus fort. Dans les rues de Calabre, le racket, le trafic de drogue, les coups de filet se poursuivent. Dans son bunker, le procureur anti-mafia est convaincu que le protocole Di Bella est un outil essentiel contre la 'Ndrangheta. Dans un village où une personne est considérée comme un boss de la 'Ndrangheta, savoir que la fille ou la femme a changé de vie, s'est affranchie de son autorité, signifie une perte de prestige pour cet homme. Et pour l'État, pour les institutions, c'est un signal fort de rupture. Aujourd'hui, des femmes de boss viennent voir le juge Di Bella pour changer de vie. Certaines sont devenues des repenties. Des pères incarcérés sous le régime 41 bis, un régime qui s'applique aux chefs mafieux, lui écrivent pour le remercier d'avoir sauvé un fils. Le juge poursuit son travail à Catane, en Sicile, sous haute protection. Il s'occupe maintenant des enfants de Cosa Nostra. Depuis 2012, une soixantaine d'enfants et d'adolescents ont été éloignés de leur famille mafieuse pour entreprendre des études ou travailler parce qu'ils l'avaient demandé ou après la décision d'un juge. Un chiffre qui peut paraître dérisoire face aux coups de filet qui se multiplient et aux centaines d'arrestations qui visent les membres de la 'Ndrangheta. Mais pour la justice anti-mafia, un seul héritier potentiel d'un clan mafieux qui choisit une autre vie, loin du crime, des menaces de mort et de la prison, est une victoire. En Corse aussi, des fils de barons du banditisme suivent la destinée criminelle de leur père. Certains tombent tôt dans la voyoucratie, d'autres, rattrapés par leurs fantômes, finissent par basculer à un moment donné vers les trafics de stupéfiants, les règlements de compte ou la vengeance. Ils ont grandi dans les rues d'Ajaccio ou de Bastia. Certains ont quitté l'école très jeune, d'autres étaient promis à des études à l'université. Ils se retrouvent en prison pour des années, infligeant à leurs proches les parloirs, la cavale ou la peur permanente. Jacques Mariani a connu 43 prisons différentes. Cet homme de 57 ans est le fils de Francis Mariani, un baron du gang de la Brise de Mer, tué dans l'explosion d'un garage agricole en janvier 2009. Depuis sa cellule de la centrale de Moulins-Isère, l'héritier de la Brise de Mer, condamné pour vol à main armée, assassinat, multiples extorsions de fonds, a répondu à nos questions par téléphone. Jacques Mariani avait 11 ans lorsque son père est incarcéré pour la première fois.
Il est rentré en prison en 75 ou 77, je pense, à Paris à l'époque. Je devais avoir 11-12 ans. On s'est peu connus, mon père et moi. Je suis rentré à 18 ans. Je l'ai connu 2 ans, mon père, dehors. Pas grand-chose à vous raconter. Moi, je suis resté 2-3 ans dehors. Il était passionné de rallye. Je le suivais dans tous ses déplacements. Et voilà, c'est le seul bon moment que j'ai eu avec mon père. Après, dans l'enfance, je n'ai pas de souvenirs. Il n'a jamais été là. Peu importe l'absence, le jeune Jacques grandit à Bastia et admire son père. Il s'aperçoit vite que le nom qu'il porte suscite la crainte et bien des égards. En lisant les journaux et au fil des rencontres. Par les médias, par le nom que je portais, c'est le fils à Francis Mariani, devant le respect qu'on me donnait. Dans les territoires, effectivement, où il y a une criminalité organisée qui est pérenne dans le temps, on a des phénomènes réputationnels qui s'instaurent. Être le fils d'eux, oui, c'est avoir certaines portes qui s'ouvrent, un respect qui s'établit. Là, on est typiquement dans la dimension mafieuse, mais ça peut se retrouver aussi avec certains narcotrafiquants. Il y a une aura criminelle autour de certains noms qui se répercute sur les enfants. Francis Mariani essaiera de tenir son fils loin du banditisme. Mais Jacques rêve d'intégrer la brise de mer. Il commet ses premiers vols à 10 ans. Un braquage de banque à 17 ans lui vaut son premier séjour en prison. Il sort puis rentre à nouveau. En 1990, père et fils se retrouvent derrière les barreaux. Se retrouver en prison avec lui, c'est à cette époque où je vous avais dit qu'il ne m'avait pas parlé pendant un an et demi. Parce que les recommandations, c'était de ne pas suivre le chemin que j'ai suivi. Je comprends bien maintenant, étant papa, qu'il avait entièrement raison. Mais bon, c'est trop tard. Mais je veux dire, il ne me parlait pas à cause de ça, justement. Jacques Mariani passera plus de la moitié de sa vie en prison. Un échec, reconnaît-il aujourd'hui. Il sera de nouveau renvoyé en 2023 devant la cour d'assises pour l'évasion de Redouane Faïd, un célèbre braqueur. Une évasion en hélicoptère filmée par des détenus. C'était en juillet 2018 dans la prison de Réau. Des images qui vont faire le tour du monde. C'est la deuxième fois que Redouane Faïd s'évade. Dans cette évasion spectaculaire, le Corse aurait fourni des armes et des explosifs. C'est du moins ce qu'affirme un ex-copain, lui, devenu repenti, puis exclu du programme. Mais un rapport de police estime que l'implication de Mariani dans cette affaire est peu probable. Le prisonnier estime payer de nouveau le poids de son héritage. Jamais j'aurais dû être aux assises, puisque lorsque vous pouvez lire le rapport de la police, vous vous demandez pourquoi moi je suis renvoyé, Mariani. Autre rendez-vous devant les assises pour Jacques Mariani, le procès du double assassinat de l'aéroport de Bastia. Il doit comparaître prochainement pour association de malfaiteurs. À ses côtés, dans le box, seront assis Richard et Christophe Guazzelli et Ange-Marie Michelozzi Jr. Tous des fils d'eux, tous héritiers de barons du banditisme, le clan des orphelins. Richard et Christophe Guazzelli, 32 et 30 ans aujourd'hui, sont les fils de Francis Guazzelli, pilier de la brise de mer. Ils grandissent entre Bastia et le village de La Porte, perché au pied des contreforts de la Castagniccia, où ils passent leurs vacances dans la luxueuse villa familiale qui domine la vallée. Les fils Guazzelli sont admis dans les meilleurs centres de formation de football. Brillant joueur, Christophe décroche un contrat dans l'équipe réserve du FC Nantes, s'entraîne avec les pros.
ce dimanche de novembre, leur père Francis part à la chasse aux sangliers. Il emprunte la route en lacet qui mène à son village de La Porte. À la sortie d'un virage, son pick-up noir est criblé de balles. Un énième règlement de compte au sein de la Brise de Mer, attribué au clan ennemi. Christophe devait être avec son père ce jour-là. Il y a l'assassinat du père, et là tout bascule. Christophe change radicalement. C'est un enfant que tout le monde décrivait comme poli, radieux, souriant, aimable. Il devient taciturne. Il ne revient pas à Nantes. Il ne donne pas de nouvelles au club, mais il n'y revient plus. Il reste en Corse. Et là, on le saura bien sûr bien plus tard, mais en fait, il commence déjà à réfléchir à ce qu'il va pouvoir faire pour venger son père. Les fils Guazzelli vont s'éloigner du football. Revoir d'anciens amis, nouer de nouveaux liens, ils se rapprochent de Jacques Mariani et d'Ange Marie Michelozzi Junior. Le jeune Michelozzi porte le même prénom que son père Ange Marie Michelozzi, bras droit de Jean G. Colonne, considéré comme le chef incontesté du banditisme corse. Angema, comme l'appellent ses amis, quitte le collège en troisième, fait des petits boulots, avant de connaître ses premières convocations devant le tribunal. Son père est abattu l'été de ses 19 ans. Sa tante, Marie-Jeanne Bodzi, mère de Portich, tombe 3 ans plus tard sous le feu de 2 tueurs en scooter. Ange-Marie Michelozzi, il est un peu différent des frères Guazzelli en ce qu'il va tout de suite emprunter des chemins de traverse. C'est-à-dire qu'il va directement se mettre dans des trafics, des histoires d'associations de malfaiteurs. Voilà, on se dit directement que lui va suivre les traces de sa famille. Puis par la suite, il va s'allier aux frères Guazzelli qui viennent du Nord. Pourquoi ? Parce qu'ils sont persuadés que les assassins de leur père sont les mêmes. Et donc, ils vont devenir ce que les policiers vont appeler le clan des orphelins pour assassiner 2 hommes identifiés comme responsables de la mort de leur père. Les frères Guazzelli et Ange-Marie Michelozzi forment désormais une équipe. Ils sont surveillés. Écoutés par la police, ils planquent 62 kilos de cannabis dans une maison de Saint-Florent, parlent dans des téléphones réputés inviolables, se déplacent en avion privé. Ils se seraient lancés dans un trafic de cannabis international. L'objectif, selon la police, amasser de l'argent pour financer une vengeance. Un matin de décembre 2009, Ange-Marie Michelozzi et les frères Guazzelli sont arrêtés dans leur planque, dans le Cap Corse et à Porto Vecchio. Les fils Guazzelli étaient pourtant promis à un autre avenir. Francis Guazzelli, il va tout faire avec sa femme pour éloigner ses 2 enfants, Christophe et Richard Guazzelli, de cette villa. Ils ne veulent pas que ce soit des voyous. Ils veulent en faire des peut-être pas des notables, mais des gens qui sont voilà, qui ne vivent pas. Au sein du monde criminel. Un trafic de stupéfiants qui aurait financé un double assassinat. À Marseille, au procès pour trafic de stupéfiants, les frères Guazzelli et Ange-Marie Michelozzi sont condamnés à 12, 10 et 7 ans de prison. Les orphelins, c'est le surnom qu'on leur donne, font valoir leur droit au silence. Mais Ange-Marie Michelozzi prend finalement la parole. « Nous sommes les héritiers du deuil et du malheur », lance-t-il de son box. Il a eu cette phrase parce qu'il avait l'appréhension que la justice soit paresseuse et se contente de sa parenté familiale. Michelozzi, c'est un nom connu en Corse. C'est une famille qui porte le deuil. Il a perdu
son père, sa tante. Et c'est vrai qu'il est... Il est l'héritier de conflits qui le dépassent et qui pourtant lui collent toujours à la peau. Un autre grand nom du banditisme, Jean-Jacques Colonne. Le dernier parrain avait inscrit ses pas dans l'héritage familial. En 1960, à l'âge de 21 ans, il décide de venger son père, tué 5 ans plus tôt. Lors de la guerre du Combinati, du nom de ce bateau chargé de cigarettes de contrebande, a résonné par des membres du milieu corse. À 16 ans, donc, il a vu son père abattu devant ses yeux par 4 personnes qui sont parties. Il pensait donc que sa famille a été évacuée sur le continent parce que son oncle Jean avait eu les jambes coupées lors d'une fusillade. Il s'était réfugié sous une voiture et lui ont mitraillé les jambes. Et donc il a été évacué à Marseille. Et il a cru pendant 5 ans que les assassins de son père avaient été tués par les grands voyous qui étaient Jean Colonne, les Franchiches, les Guérini à Marseille. Et il avait 21 ans exactement. Il m'a dit le jour de son anniversaire, Vincent Colonna d'Istria, qui était son grand ami, lui a appris qu'en fait les assassins de son père étaient toujours vivants. Le soir même, j'ai pris le bateau pour Bastia, où habitait l'un d'entre eux, et je l'ai abattu. Bon. Et il est allé voir son oncle, puisque le fait qu'ils étaient toujours vivants résultait d'un deal. C'est-à-dire qu'ils avaient balancé leur chef, qui était Planche Paoline, qui avait été abattu, et donc les autres voyous les laissaient en vie. Bon. Il les a donc abattus, et son oncle lui a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ton chemin de vie, mais sache que si tu t'engages là-dedans, c'est-à-dire dans le fait de la vendette, c'est, tu ne pourras plus jamais reculer. Et c'est un chemin sans retour. C'est ce qui est, en effet, s'est passé. D'autres héritiers apparaissent dans les annales de la criminalité. En juillet dernier, le ministre de l'Intérieur, en visite en Corse, annonçait la présence de 25 clans criminels, une équipe pour 13 000 habitants. Là où avant il y avait des groupes très organisés de criminalité un peu clanique qui étaient fondés sur une histoire, désormais il y a une sorte d'atomisation aussi de la criminalité, de gens qui sortent de ces clans, qui sortent de ces groupes, et notamment avec les stupéfiants qui se font beaucoup d'argent en dehors de ce que l'histoire du banditisme corse a connu. Une note confidentielle de la Direction générale de la Police nationale que nous avons consultée fait un inventaire de ces équipes criminelles. Un catalogue sorte de Who's Who du banditisme corse. 25 bandes y sont répertoriées. Équipe Germagne, Petit Bar, Master Café, des plus puissantes aux plus récentes. Dans plusieurs équipes figurent père, oncle, neveu et fils. Soupçonnés de diriger des sociétés en sous-main, des trafics de drogue ou de fomenter des règlements de comptes. Équipe Marianne, Michelo, Guazzelli, mais aussi Mattei, Costa ou Carbogne. Tous contestent ce fichage. On fait le constat que pratiquement la moitié de ces équipes présentent des membres d'une... Enfin, sont composés pour partie de membres d'une même famille et souvent avec un degré de filiation. Peut-être que c'est lié à l'importance de la dimension du village en Corse,
qui est finalement un peu le berceau familial où tout le monde se retrouve autour d'événements majeurs qui composent la vie familiale et où les figures tutélaires sont là et marquent les enfants. C'est possible. J'aime pas parler d'équipe. Sur le terrain, les choses peut-être sont totalement différentes que celles qui sont bien, que l'on veut même présenter, en tout cas publiquement, à l'opinion publique. Autre bande présente dans le document, l'équipe Federici, nommée les bergers braqueurs de Vanzolasca, un village au sud de Bastia. Seul clan à avoir réussi à concurrencer la brise de mer, explique les analystes, qui ajoutent « Le rôle du fils du chef est devenu prépondérant. » Ce type de fichage qui consiste à stigmatiser certaines personnes au regard de leur passé délinquant passe encore, mais en leur imputant une activité délinquante actuelle pour des faits pour lesquels ils ne sont absolument pas poursuivis, me paraît extrêmement contestable. D'autres noms sont répertoriés, d'autres héritiers, mais cette fois, des fils de nationalistes. Le rapport cite l'équipe Orsogne parmi les bandes du Grand Ajaccio, son leader, Guy, et le fils d'Alain Orsogne, fondateur du mouvement pour l'autodétermination, reconverti dans les affaires. Guy Orsogne est poursuivi avec ses complices présumés, d'autres fils de nationalistes, pour un assassinat et une tentative. Ils clament leur innocence. Figure aussi dans ce répertoire l'équipe Pierri, avec à sa tête l'ancien chef militaire du FLNC. C'est un document qui a vocation à évoluer. Encore une fois, il n'a pas la prétention d'être exhaustif. C'est un document qui représente l'actualité de nos connaissances dans ce domaine-là au moment donné. Nécessairement, il est appelé à évoluer. Selon cette note, le système Pierri aurait connu une dérive affairiste. Raquette, contrôle de société, mais son influence serait difficilement quantifiable aujourd'hui. Ses avocats n'ont pas voulu s'exprimer. Ils dénoncent une manipulation. Pourquoi on devient l'héritier d'un gros voyou, d'un chef nationaliste clandestin? C'est parce qu'on a aussi déjà, en tant qu'enfant, adolescent, vécu dans une ambiance un peu de valorisation sociale. On a vu son père, son oncle, valorisé socialement, être mis en évidence, avoir du pouvoir, voir l'argent qui pouvait en découler, voir l'influence politique et surtout le fait de le rayonnement social. D'une douzaine de clans criminels sur 25 en Corse s'appuient sur des liens familiaux. La filiation est-elle une règle intangible du crime organisé ? Est-ce que forcément, parce qu'on est le fils d'eux, on emboîte le pas et le même cheminement que son père? C'est vrai qu'il y a un facteur, non pas de déterminisme, mais d'éducation dans le devenir de tout un chacun. Je pense que quand on baigne dans un certain milieu, par la force des choses, on en garde certains éléments et que, bien évidemment, ça peut conduire à suivre le chemin, les pas, les mêmes traces que ses parents. Ça n'est pas un système mécanique, un peu comme en Calabre, où les fils d'eux reprennent nécessairement l'héritage du père. Le système corse, le système, cette violence organisée corse, elle est faite de plusieurs éléments de structuration. Elle est faite, en effet, le lien familial, il peut jouer, le lien amical, il peut jouer. Les rencontres d'opportunité, elles peuvent jouer.
Que transmet-on à un fils lorsqu'on lui donne le prénom d'un grand-père figure du grand banditisme ou assassiné? Quelle référence? Quelle limite? En décembre 2021 à Marseille, Jacques Mariagne est condamné à 6 ans de prison pour extorsion de fonds. Sa première épouse comparaît aussi. Cette femme est la mère du fils de Jacques Mariagne, Francis Mariagne Jr., 22 ans aujourd'hui. À la barre, elle explique avoir peur pour son fils, peur qu'il prenne un mauvais chemin. « On sait ce qu'est leur vie », lance-t-elle au président. « La prison, la mort, c'est tracé tout droit. » Il y a des femmes qui évoluent au fil du temps. Quand elles voient leurs enfants grandir et risquer de tomber dans le système, et soit elles sont impuissantes, elles n'arrivent pas à se dégager parce qu'elles n'ont pas forcément une activité professionnelle qui leur permet de prendre cette indépendance. Et puis, il y a toute la surveillance qu'elles vivent au quotidien. Aujourd'hui, Francis Mariani Jr. poursuit des études sur le continent. Comme lui, d'autres fils de figures du banditisme ou de pères assassinés ont quitté l'île. Ils apprennent un métier, s'inventent un nouvel avenir. L'exil, pour ne pas devenir voyou, la vie, plutôt que la cour d'assises, la prison ou la mort. Loin de la Corse et des chemins sans retour.